Bonsoir la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre direct. Direct de ce soir qui fait suite au direct que nous avons eu hier, bien qui ont été combattus par des fils du diable qui ont plusieurs fois signalé la vidéo. Dieu quand même nous fait grâce ce soir d'être là et de passer à l'offensive. Alors bonsoir à vous tous qui êtes en train de vous connecter et vous tous qui allez suivre après ces instants ce direct, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on est déjà 300 personnes en moins de 5 minutes. J'aimerais que vous puissiez vraiment ce soir nous donner des milliers de personnes encore connectées, autant qu'hier. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et merci d'aller au bas de vos écrans, de faire 4 choses ce soir. Premièrement, donnez-moi beaucoup des cœurs. Deuxièmement, allez là où c'est écrit partager et partagez à tous vos amis, à 20 groupes Facebook minimum. Et identifiez aussi ceux de votre famille sur le direct, donc identifiez les membres de vos familles, identifiez les membres de vos familles sur le direct, Dieu nous fera grâce. Alors on peut aller, c'est parti, soyez bénis, allez au bas de vos écrans et partagez, invitez les amis en grand nombre, Dieu nous bénira encore ce soir. Voilà, vous êtes dans quel pays exactement, dans quelle ville du monde? J'aimerais vous saluer. Valérie Zida des États-Unis, merci beaucoup. Ouganda Hubert, Mabuire, Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde, vous êtes où? Hier c'était compliqué, beaucoup de cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs ce soir. Shalom prophète, localise-moi, Dieu te bénisse abondamment. Voilà, on est à 350 personnes. Donnez-nous beaucoup de personnes ce soir. On va au bas de nos écrans et on partage le direct. Madagascar, Dieu vous bénisse. Malgache en Angola. Haïti, merci. Adonaël, Fali, merci. Pretoria, Véron, Dieu te bénisse. Gabon, Mounoumbi, Dieu vous bénisse. Côte d'Ivoire, Sarah, Dieu te bénisse. On est à 355 personnes. Allez au bas de vos écrans et partagez, invitez les amis. C'est ma première fois de vous suivre en live. Dieu vous bénisse. Je suis depuis le Gabon. Jonas, merci d'être connecté depuis le Lubumbashi. Olivier, Gamaliel, Kanda, Dieu vous bénisse abondamment. Gabon, Nonda, Ulrika, Dieu vous bénisse abondamment. Jean, Claudina, Île Maurice, Dieu vous bénisse. Voilà. Exactement dans 5 minutes, nous allons commencer le direct de ce soir. Alors j'aimerais que durant ces 5 minutes, vous puissiez vraiment, ce soir-là, ces tonnes de cœurs, on va envoyer même. Merci beaucoup. Voilà, envoyez, 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 on est en train d'évoluer. Allez au bas de vos écrans, partagez, avant, envoyez, écrivez, taguez ceux de vos familles. Nous allons commencer déjà dans 5 minutes. Voilà. L'arabasobralie, c'était... Voilà. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons vraiment plonger dans des grandes vérités. Et pour ce, j'ai besoin que vous puissiez doubler l'audience, tripler l'audience. C'est ma première fois de voir en live le prophète. Dieu vous bénisse. Taguez ceux de votre famille sur les commentaires. Partagez à vos amis, partagez à tous les groupes Facebook. Dieu va nous faire grâce. Papa, juste un mot pour la vie de ma fille. Valérie Zida, que Dieu bénisse votre fille au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il me reste 3 minutes. Nous continuons à partager. Je commence dans quelques minutes. Nous parlons d'un sujet très très important et très crucial. Je veux que vous puissiez être très nombreux à être connectés et à le suivre. Depuis la Guyane française, Dieu vous bénisse. Voilà, on est en train de continuer à partager. On va commencer. Côte d'Ivoire, Arnold de Bognon. Dieu te bénisse, fils. Et félicitations encore pour ton livre. Merci beaucoup. Inès Njoma, Dieu vous bénisse abondamment. Rachis Mutombo, Dieu vous bénisse abondamment. Bondel, depuis Franceville, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est à plus de 500 personnes déjà.
Voilà, on peut continuer à partager. J'aimerais vraiment vous voir très nombreux mobilisés ce soir parce que nous allons parler des choses très, très cruciales. Merci, prophète, pour la qualité des enseignements. L'école des prophètes, c'est du lourd. Depuis le Burundi, Josué Amani, depuis Eze, Dieu te bénisse, depuis Mongafula. Voilà, on est en train de partager. Boaz, Ahmed, Chalombo, Côte d'Ivoire. Koloisi, Axel, Emsa, Dieu te bénisse. Lorraine, Maïssa, Dieu te bénisse. Mon père que j'aime depuis Okatan à Moïse, Katok, je t'aime aussi dans le nom de Jésus-Christ. Depuis le Gabon, Babé la bénisse. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible vous comble de sa grâce ce soir. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais commencer le direct dans 2 minutes. Voilà, continuez à inviter vos amis et à partager. On est en train de monter ce soir. Dieu nous fera grâce. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dès qu'on est à 700, je vais commencer. Dès qu'on est à 700 personnes, je commence mon direct de ce soir. J'ai beaucoup à dire. J'ai des choses importantes à dire. Je ne méprise pas le nombre, mais j'aimerais qu'on fasse davantage. Parce qu'on peut faire davantage. J'aimerais vraiment, dès qu'on est à 700 personnes, je commence mon message de ce soir. Chrétienté et spiritualité, quelle est la ligne de démarcation? Chrétienté et spiritualité, quelle est la ligne de démarcation? Spiritualité ici, spiritualité là-bas, quelle est la ligne de démarcation entre le monde spirituel de Dieu et de l'ennemi? La ligne de démarcation entre ce dans quoi on doit rester et ce dans quoi on doit ne pas plonger les regards. C'est tellement subtil, la frontière est tellement fine entre le vrai et le mensonge. Entre Dieu et le diable, la lumière et les ténèbres, ça va être chaud ce soir. Je vais vraiment, dès qu'on est à 700 personnes, je commence. Moi, je n'attends que vous, dès qu'on est à 700 personnes, je commence mon live de ce soir. Voilà, donnez-moi beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Je vais moi aussi partager de mon côté. Donnez-moi beaucoup de cœur. On est en train d'avancer. Voilà, on est en train d'avancer. Merci de partager. Dès qu'on est à 700 personnes, je commence mon message de ce soir, la ligne de démarcation entre la spiritualité et la chrétienté. Très important. Que Dieu vous bénisse. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, continuez à taguer vos amis, à partager. Dieu va nous faire grâce en ce moment. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit, tu es merveilleux. Merci merveilleux Saint-Esprit. Paul Daniel, nous rêvons de vous voir ici. Ok, alors on va commencer avec des questions. Ok, en attendant qu'on continue à partager, on va commencer avec des questions. Spiritualité, chrétienté. Je vais sélectionner 5 questions auxquelles je vais répondre durant le live. Alors, allez au bas de vos écrans, posez votre question, soyez le plus bref possible, comme ça, je sais lire la question, sinon ça va être compliqué. J'aimerais participer à la formation des prophètes, mais je n'ai pas les frais. Dieu vous donnera, il y a encore le temps et la foi qui va le faire pour vous. Si vous croyez qu'il peut le faire par moi, il peut le faire aussi par quelqu'un d'autre. Donc, croyez en Dieu et non à l'homme que je suis. Voilà. Nous allons poser des questions, ok?
Vous avez fait la théologie ou bien c'est la théologie de l'esprit? Ah, question, voilà, posez vos questions. Ah, je vais entrer dans le vif de mon sujet avec 5 questions que je vais retenir ce soir. Allez, c'est parti, vous avez déjà la parole. Quelle est votre question? Cassandra, Dieu te bénisse. Pourquoi tu t'es mêlée? Ah non, ça c'est hors sujet. Là, vous êtes hors sujet. C'est quoi la différence entre la spiritualité et la chrétienté? C'est mon développement de ce soir. Votre question. Pour nous qui sommes à Brazzaville, ok, l'activité du prophète Ken, il faut arriver à Kinshasa pour les plénières et en direct, en ligne sur Zoom. Tous les chrétiens voient forcément le monde invisible, oui, mais pas tous de la même manière. Prophète, quel est le danger de la spiritualité? Ok, j'en parlerai. Comment reconnaître qu'une personne est spirituelle? J'ai eu 4 mois en train d'enseigner sur l'homme spirituel, vous pouvez voir ça. Ok. Question, question, question. J'ai besoin de vos questions. Plusieurs chrétiens ne vivent pas la réalité. Claire différence entre la porte de connaissance et la prophétie. La porte de connaissance, ça c'est pas dans le sujet, reste dans le sujet. Est-ce que le monde spirituel est réservé à tout le monde? Oui. Chrétienté, ok. Quelle différence entre le prophétique? Oh, ça c'est pas dans le sujet du jour. Restez dans le sujet du jour. Parlez pas de prophétie. On parle de spiritualité ici. Ok. Quelle est la limite pour ne pas passer à une autre spiritualité sans s'en rendre compte. Je vais développer ça ici. Comment savoir qu'on est spirituel? Un chrétien est-il d'office spirituel? Qu'est-ce qui fait le... J'aurais tellement voulu que vous puissiez suivre mon enseignement sur le monde spirituel. Il y a des questions qui n'allaient même pas revenir. Faut-il... Oh là là, posez une question. Soyez bref, sinon je ne sais pas tout lire. Certains disent que le sacerdoce est la haute spiritualité et que cela passe par une initiation. Est-ce vrai? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut faire un voyage hors de son corps? Ok. Vous arrive-t-il de ne pas savoir si vous êtes à la frontière de la chrétienté? Ouais. Est-il nécessaire de méditer avec la bougie? Si oui, quel est son apport? Roman Odika, Shalom le vieux, voici ma question. Quelle est la différence entre l'astronomie et l'astrologie? Ça, c'est mon domaine que tu es en train de toucher là. Ça, c'est mon domaine de thèse. Je prépare ma thèse en doctorat. Je parle de l'eschatologie astronomique. Je vais en parler, astronomie et astrologie. Pourquoi certains chrétiens s'irritent quand on parle de spiritualité? Parce que généralement, ils ont toujours entendu le mot spiritualité dans certains contextes qui ne sont pas chrétiens du tout. Alors, à peine on cite spiritualité, qu'ils oublient que c'est du français. On peut trouver plusieurs définitions dans le dictionnaire et ils collent directement à quelque chose qui a un lien avec ésotérique, occulte, satanique, magique et diabolique. Ok. Le monde spirituel est plus palpable que les chrétiens. Est-il plus palpable pour les chrétiens bouillants? Je comprends très bien la question. Quel est le rapport entre la spiritualité et le monde quantique? J'ai fait aussi des études sur le monde quantique. Je vais bientôt faire un live, mais je sais pas si les chrétiens sont assez informés pour écouter ce genre de live parce que des fois, quand on parle de monde quantique, ça devient compliqué. Pourtant, c'est l'un des grands sujets du moment. Suivez Ant-Man, Avengers, vous allez voir le monde quantique et c'est partout aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer, il faut qu'on connaisse des choses. Mais j'en parlerai plus tard, pas aujourd'hui. Les gens risquent d'être embrouillés. Spiritualité, pourquoi les chapelets? Bon, que pensez-vous de la spiritualité métaphysique? Un chrétien peut-il pratiquer la méditation de la métaphysique?
Le silence. Le silence, la méditation est aussi biblique. La magie est dans les œuvres de la chair, oui, Galates 6, 5 plutôt, 20. Quelle est la différence entre la spiritualité christique et la sorcellerie? C'est ce dont je parlerai ce soir. Voilà, nous continuons à partager. Je vais commencer dans quelques minutes. Papa Guy Roger, Dieu te bénisse, différence entre religieux et spirituel. Très, très bonne question. Waouh! Différence entre être religieux et être spirituel. Waouh! La spiritualité fait recours à toutes les formes d'élévation, même les sciences occultes. La chrétienté, c'est... Bon, on pose une question. Faites-vous des formations spéciales pour des personnes appelées au ministère prophétique? Soyez là au mois de mai, fin mai, l'école des prophètes sera là pour vous. Ok. Dernière question. Quelles sont les sensations physiques que vous avez déjà... Ah, pardon. Excusez-moi. Quelle est pour vous la conduite à tenir pour un homme qui veut être spirituel? J'ai enseigné ça pendant 3 mois sur l'homme spirituel. Vraiment, écoutez ces messages, ils sont encore sur YouTube. Un être spirituel est-il nécessairement un chrétien? Non. Je pense que je vais même commencer par là aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien... Pardon, est-ce qu'un être spirituel est forcément chrétien? Non. Un homme spirituel est-il forcément un chrétien? Non. La spiritualité et l'astronomie, à quel lien? Ok. Voilà, on va commencer. C'est quoi la chair? C'est pas le sujet du jour. Est-ce que le yoga, etc., font partie de la spiritualité? Est-ce mauvais? On va commencer. D'accord. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. On a pris une vingtaine de minutes pour interagir et j'aimerais prier et commencer mon message de ce soir. Nous sommes à 640 personnes. J'aimerais commencer dès qu'on est à 700 personnes. Je vais vous voir faire quatre choses ce soir. Donnez-moi beaucoup de cœur, parce que l'ennemi ne veut pas m'entendre dire ces choses sur la place publique. Numéro 2, taguez ceux de votre famille et vos amis sur les commentaires. Numéro 3, maintenant encore, allez au bas de vos écrans, partagez à tous vos amis ce live. Allez au bas de l'écran, là on met partager, on mettra vos amis, partagez à tous vos amis. Et d'un autre côté, et partagez à tous les groupes Facebook. Qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce qu'un disciple en spirituel? D'accord. Ok. Quelqu'un me dit, vous pouvez remettre l'instrumental, s'il vous plaît. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Voilà, on va commencer par la prière. On est à plus de 640 personnes. Je vais vraiment nous voir partager. Dieu va nous bénir ce soir. J'apporte ma petite pierre de contribution. Les choses que je partage peuvent être entendues dans des conférences des pasteurs, dans les écoles des prophètes, des choses très très profondes. Mais c'est vrai aussi que je ne dis pas tout. Mais du moins, je voulais attirer l'attention des chrétiens sur certains sujets très sensibles. Des questions de l'heure, des interrogations que plusieurs chrétiens ont. C'est important que vous puissiez écouter ces choses. Alors s'il vous plaît, participez avec moi. Taguez vos amis, invitez-les, partagez et on commence dans la minute qui suit. Par la prière et je vais entrer dans l'enseignement directement. On y va, c'est parti. Nous sommes à 649 personnes. Nous continuons à partager à nos amis. Dieu nous fera grâce encore ce soir. Bouddhisme et yoga, peut-il être compatible au christianisme? Voilà. Il y a des choses que je vais dire ici en public, d'autres choses que je préfère dire devant des pasteurs. Y a-t-il une différence entre spiritualité et idolâtrie? Okay. Alors, on va commencer. Donnez-moi un bon avance-prophète
Donnez-moi avance prophète et je commence. Avance prophète et je commence. Donnez-moi juste un bon avance prophète et je vais commencer ce soir. Donnez-moi un bon avance prophète et je vais commencer mon message de ce soir. Karabasabrade. Dieu te bénisse, Daniel. Daniel a interprété ma chanson. Au son de la... On y va, c'est parti. Nous partageons, nous allons prier. Dieu nous fera grâce ce soir. Elvin Sifa, Dieu te bénisse abondamment. Là où tu es au niveau de Bukavu, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons... Je prie pour vous, Ola Sabra de Setele de Sarabasata. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit sur vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, alors que j'aimerais échanger avec tes serviteurs et tes servantes, après ce moment d'interaction, de questions et de quelques réponses, je prie que ta bonne main, Saint-Esprit, viennent dans la maison de chacun, dans le bureau de chacun, que par ta grâce, Seigneur, quelqu'un soit illuminé, éclairé, impacté par le live de ce soir. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, mais avec toi, je puis toutes choses. Je m'humilie devant toi, je me rabaisse devant toi, et je prie, Seigneur, que tu te serves ma petite vie pour bénir quelqu'un qui est déjà en Christ et surtout emmener plusieurs ou ramener plusieurs dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Karabasabrada Satalabasha. Aïe aïe aïe. Esprit. Arabasate. Tama. Asumu. Tama. L'arabasabrada seke le besobrada seke. Oh rakabasabra de korobo sopra da kaya bara seke. Karabasabra de ko sopra di amande de ko sopra bababasara bababasate. Saint-Esprit, viens dans nos maisons, remplis nos bureaux, nos chambres, là où nous sommes dans la voiture, où que nous sommes. Peu importe les lieux, visite quelqu'un qui est connecté aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Assume-nous ta main, esprit en ce lieu, et en ce lieu. Merci Daniel, c'est Daniel Banamwere qui a interprété cette chanson que Dieu m'a donnée en inspiration. Je l'ai envoyé en audio, il a travaillé cela en son studio. Et la main, c'est ta main. La chanson, c'est ta main. Vous allez bientôt la voir dans mon album qui sortira très prochainement. En Seigneur, oh, en Seigneur, oh, en Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu, nous allons commencer ce soir. Que le Saint-Esprit vous bénisse de partout où vous êtes. Je commence en disant deux, trois petites choses. La première des choses que j'aimerais le dire haut et fort, Dieu n'est pas chrétien. Et Jésus ne l'était pas non plus. Je répète, Dieu n'est pas chrétien et Jésus ne l'était pas non plus. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas attaché à une religion particulière. Avant que l'homme n'existe, il était déjà Dieu. Avant que les cultes n'existent, il existait. Avant que les autels, les temples, les tabernacles, les sanctuaires existent, Dieu était déjà Dieu. Dans Daniel, on l'appelle l'ancien des jours. Et en hébreu, l'expression veut dire « lorsque le temps l'a trouvé, il était déjà Dieu ». Donc, l'expression dit lorsque le temps fut créé, le temps a vu qu'il existait déjà. Lorsque le chronos, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu n'existe pas au même, Dieu n'a pas existé au même moment que le temps. Le temps, c'est la période durant laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Mais avant Genèse 1, verset 1, Dieu était Dieu. Et après Genèse 20, Apocalypse 22, il sera Dieu. Donc, numéro 1, vous devez savoir que Dieu n'est pas chrétien. Ça, c'est très important. Dieu n'est pas chrétien. Avant que la Torah ne soit donnée aux Juifs, avant que les 312 autres lois ne soient données à la nation d'Israël, avant que les 10 commandements ne soient donnés aux enfants d'Israël, avant que la prière de notre Père ne soit donnée aux apôtres, Dieu était Dieu. Il est le Créateur incréé. Il ne dépend pas de nous pour être Dieu. Il est Dieu en dehors de nous. Nous n'avons pas besoin. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu, mais nous avons besoin de lui pour être nous. Dieu est comme l'océan. Poisson ou pas, il reste l'océan. Mais le poisson sans eau de l'océan ne peut survivre. Dieu est Dieu avec nous et sans nous. Mais nous, sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Il est écrit, avec, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, rien à voir avec nous. Dieu est Dieu. Donc, Dieu n'est pas chrétien. Et Jésus-Christ n'est pas chrétien du tout. Jésus-Christ n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Ça, c'est par rapport aux catégories, par rapport aux statistiques, par rapport à la classification des religions dans le monde. On parle de Jésus comme étant la tête et fondateur d'une religion qui s'appelle le christianisme. Et on scinde plusieurs chrétiens en termes de catholiques, protestants, baptistes, surtout aux États-Unis, mennonistes, anabaptistes, charismatiques, évangéliques. Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Ça, c'est très important. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, le Logos, la parole faite chair. Jésus est Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus n'a rien à voir avec la religion chrétienne que l'on a présentée. On a commencé à appeler les chrétiens à Antioche. Les disciples chrétiens, parce qu'on a vu qu'ils ressemblaient à Christ. Mais si ceux d'Antioche n'avaient pas identifié les chrétiens comme tels, les disciples allaient encore exister. Et Jésus allait continuer à être la tête de l'Église. Donc le mot chrétien ou christianisme n'a rien à voir avec le Seigneur. Ce ne sont que des mots humains pour identifier plus ou moins ceux qui croient en la personne et aux enseignements de Jésus-Christ. Je le dis parce que c'est très important. Et l'autre déclaration que je voulais faire, elle va peut-être vous choquer. Excusez-moi beaucoup les théologiens, les pasteurs. Je sais que beaucoup les pasteurs n'aiment pas qu'on dise ce genre de choses. Mais écoutez-moi très bien. Dieu est trop grand pour être limité dans un livre qu'on appelle la Bible. Ne me comprenez pas mal. Dieu est trop grand pour se limiter dans un livre qu'on appelle la Bible. Je répète, Dieu est trop grand pour le limiter dans un livre qu'on appelle la Bible. Je ne le dis pas parce qu'on peut trouver Dieu dans d'autres livres. Je n'ai pas dit cela du tout. Je le dis pour dire que la Bible, vous devez déjà savoir que la Bible est la compilation des livres saints des Juifs et des livres saints des chrétiens. C'est en cela qu'on parle de l'Ancien Testament, on parle du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la Torah, il y a les Névim et les Kétouvim. Dans le Nouveau Testament, il y a bien sûr les quatre évangiles, il y a les actes des apôtres, et il y a les épîtres. Et à la fin, il y a l'Apocalypse de Jean, la révélation de Jean. Donc, ces deux livres-là, ces deux livres des Juifs et des chrétiens sont mis ensemble, et c'est en cela qu'on parle de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Dieu parle par la Bible, oui. Mais lorsque la Torah n'existait pas, est-ce que Dieu parlait aux hommes? Comment Dieu a-t-il parlé à Abraham? Avait-il un livre? Comment Dieu a-t-il parlé à Seth? Dieu avait-il un livre? Comment Dieu a-t-il parlé à Adam et Ève? Avait-il un livre? Comment est-ce que Dieu avait parlé à Noé? Avait-il un livre?
Comment Dieu avait-il appelé Moïse? Avait-il un livre? Non. En d'autres termes, Dieu a toujours parlé aux hommes avant même que la Torah n'existe, avant même que les Névim et les Ketuvim n'existent, avant même qu'aucun prophète ne prophétise, Dieu parlait déjà à sa création. Donc Dieu n'a pas été limité dans son opération, dans sa nature, par l'inexistence d'un livre. Dieu parlait, il communiquait, il donnait des instructions, il a parlé à Pharaon, il n'y avait pas de livre. Il a parlé à Joseph, il n'y avait aucun livre. Alors, la Bible que nous avons est la parole de Dieu. Et c'est un don du ciel que nous puissions avoir cette Bible pour laquelle plusieurs sont morts, pour laquelle plusieurs ont donné des sommes colossales pour financer son impression. Plusieurs ont dû être arrêtés à cause du port de la Bible ou des passages forcés de la Bible dans certains coins du monde. Donc, je ne méprise pas la Bible. Mais vous devez savoir que la Bible est la fondation. La Bible ne dit pas tout. Même si je ne prends que le livre de Jean, l'évangile selon Jean, Jean le dit clairement, il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Beaucoup d'autres. Mais le peu qu'on a pu écrire ici, c'est pour que vous sachiez que Jésus est le Fils et que vous puissiez avoir la vie en son nom. Mais il y a trop de choses, il y a trop de choses qu'on ne sait pas écrire dans ce livre. Trop de ce que Jésus a eu à faire. Il y a trop. Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites pour dire que la Bible n'a pas tout dit. La Bible ne peut même pas tout dire parce que on ne peut même pas contenir tout ce que Dieu a à dire, tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu veut faire. Mais la Bible est le fondamental. La Bible est le primordial. La Bible est le socle. La Bible est la fondation de tout. Donc, la Bible est le ménétékel. La Bible est le roseau. La Bible est la fondation sur laquelle nous basons toutes choses. Donc, tout ce que je crois, même que je peux voir en vision, en prophétie, en révélation, en apparition, en illumination, en compréhension, en déduction, doit trouver des racines directement ou indirectement des saintes écritures. Ça doit être clair en nous. La parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt pour toute bonne œuvre. Les écritures sont fondamentales et ma vie, je l'ai basée sur la lecture et la recherche, la compréhension des saintes écritures. Mais seulement, la Bible est la fondation. Et on n'habite pas une fondation. Fondation pour fondation, on n'habite pas une fondation. On doit élever des murs, on doit meubler la maison, on doit établir un plafond, on doit bâtir une toiture. La Bible est la fondation sur laquelle nous élevons toute chose. Elle garantit la fiabilité, la solidité et la durabilité même de toute la structure. La qualité de ce sur quoi on bâtit détermine la longévité de ce qu'on a bâti. Donc, puisqu'on bâtit tout dans les Écritures, vous devez savoir qu'on tire la racine des Écritures, mais on n'en reste pas qu'à là. On avance aussi. Je vais peut-être vous faire une petite réflexion avant maintenant d'attaquer, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu beaucoup attaquer. L'une des réflexions que j'aimerais vous faire, c'est dans Hébreux. Je vais peut-être lire pour vous Hébreux. J'aime beaucoup ce texte. Hébreux 5. Continue à partager, on est en train d'avancer. Dieu va nous faire grâce ce soir, le Saint-Esprit va nous éclairer. Dieu est plus grand que la Bible. Il ne peut pas être contenu dans un livre. Dieu est plus grand qu'une église. Dieu est plus grand qu'une dénomination. Dieu est plus grand qu'une assemblée. Dieu ne peut pas être contenu, un homme de Dieu a dit, la bouche du prophète est trop petite pour dire tout ce que Dieu a dans sa pensée. On ne peut pas dire que parce que le prophète a prophétisé, il a dit. Non, le prophète ne peut pas tout dire, c'est impossible. Dieu est trop grand pour être connu par la bouche d'un prophète. On connaît Dieu par révélation. Je peux peut-être lire pour vous Hébreux, écrivez Hébreux. Tapez avec moi Hébreux. Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Hébreux 6,
Verset 1 et suivant. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est ce qu'on appelle la repentance, la sanctification. Ce sont des éléments, des fondations. La foi en Dieu, fondation. Doctrine des baptêmes, fondation. Imposition des mains, fondation. Résurrection des morts, fondation. Jugement éternel, fondation. Donc, tous ceux qui prêchent ces messages-là ne prêchent que la fondation. Et ils ne prêchent pas ce qui est parfait. Excusez-moi, ça va peut-être vous choquer. Mais prêcher sur la foi en Dieu, c'est pas prêcher ce qui est parfait. Prêcher la doctrine des baptêmes, c'est pas prêcher ce qui est parfait. Prêcher le jugement éternel, répentez-vous, le jugement, c'est pas prêcher ce qui est parfait. Prêcher la résurrection des morts, c'est pas prêcher ce qui est parfait, l'enlèvement. Prêcher le renoncement aux œuvres mortes, la sanctification, n'est pas prêcher ce qui est parfait. Ce n'est pas moi, c'est ce qui est écrit. Ok? Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, même dans Hébreux, il y a beaucoup d'autres choses que celui qui a écrit voulait dire, mais il dit, les fondations, la fondation, c'est tout ce que je vous ai présenté, mais on ne peut pas tendre sur ce qui est parfait. Et quand vous lisez le texte à partir maintenant du bas, par exemple, si j'entre maintenant dans 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Et vous allez lire la suite. Tout le chapitre 7, 8 parle de la différence entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. En fait, quand il parle de tendre vers ce qui est parfait, il parle au fait d'arriver dans ce qu'on parlera de l'ordre de Melchisédek. Et là, c'est une autre dimension de la révélation. C'est une autre dimension de la révélation. Alors, dans nos églises, on ne parlera pas de ça. Dans nos églises, on ne veut pas déranger les gens, choquer les gens, brusquer les gens. On va dire aux gens, parler de la foi, parler du renoncement aux œuvres mortes, sainteté, sanctification, repentance. On parlera de la doctrine résurrection des morts, c'est-à-dire on parlera de l'enlèvement, ce qui se passera lors de l'enlèvement. On parlera du jugement éternel, l'enfer existe, tout ça, c'est bien. Mais à vrai dire, ce n'est pas ce qui est parfait. Ce n'est pas ce qui est parfait. Je répète, ce n'est pas ce qui est parfait. Lorsqu'on parle maintenant de tendre vers ce qui est parfait, c'est ce que celui qui a écrit a commencé à annoncer dans l'introduction. Hébreux 7, il commence maintenant à parler d'Abraham, de Melchisédek, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Frère, maintenant quand tu entres là, tu vois, il parle du tabernacle. Il parle des réalités célestes. Il parle des choses spirituelles, de la spiritualité. Frère, tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers la haute spiritualité. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui a un lien avec l'ordre de Melchisédek. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui a attrait aux choses spirituelles dans les lieux célestes. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui a un lien avec un sacerdoce beaucoup plus élevé. Mes frères et sœurs, le but de Dieu, c'est que nous soyons des hommes spirituels. C'est que nous puissions atteindre des dimensions de connaissance du monde spirituel qui nous emmènent à un savoir et à un pouvoir de finalement devenir exactement comme lui afin qu'on dise tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Donnez beaucoup de cœur parce que je voulais un peu vous réveiller un peu là. Parce que, est-ce que je dis que ces messages ne sont pas importants? Ces messages sont importants, mais seulement ce sont les basiques. Ce sont des fondations. Mais on n'habite pas dans une fondation. On doit tendre vers ce qui est parfait. Là maintenant, on parle d'Abraham. On parle de Melchisédek. On parle de son ordre. On parle du tabernacle céleste. On parle, non, c'est fort. Lisez Hébreux 7, Hébreux 8. Hébreux 9, pour arriver à là où maintenant on dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté.
Là maintenant, on tend vers une autre dimension des choses spirituelles. Lisez et Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10. Là, on parle maintenant du sacerdoce. Là, on parle des choses beaucoup plus élevées, qui sont élevées au-dessus de la foi, élevées au-dessus de l'imposition des mains. Là, ça touche même pas des cas où on est obligé d'imposer les mains. Là, ça passe à un niveau. Le pasteur Chris, que l'homme prêchait, il disait, il y a des choses que je ne peux pas dire au public. Il dit, dernièrement, j'étais en train de vouloir écrire. J'avais pas ma tablette et j'avais besoin d'un bic et j'avais des papiers. Et j'ai juste dit, bic, paraît. Et le bic est apparu dans ma main. La foule a commencé à crier. Si on parle de ça, tu vas dire c'est quoi? C'est le don d'opérer des miracles. Tu diras que c'était la foi. Frère, ça c'est un autre sacerdoce. Ça c'est une autre dimension de pouvoir opérer avec Dieu, marcher avec Dieu, fonctionner avec Dieu. Voilà pourquoi je prie pour les chrétiens qui sont en train de m'entendre. Je prie pour les pasteurs qui sont connectés. Je prie pour les enfants de Dieu qui suivent ce live. Je décrète et déclare sur vous à partir de ce soir. Je décrète et déclare sur vous à partir de ce soir que le Dieu que je sers vous emmène à une autre dimension de spiritualité, celle qu'on appelle la haute spiritualité, la plus élevée de toutes les spiritualités. Frère, tout ce qui est occulte aujourd'hui est régi en termes d'ordre, même sur le plan séculier, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre de ceci, l'ordre de cela, l'ordre de ceux de la franc-maçonnerie, l'ordre des adeptes de la Rose-Croix, l'ordre de ceux de la Prima Curia, l'ordre de ceux de ceci, l'ordre de ceux des Templiers. Il y a plusieurs ordres, mais j'aimerais vous dire ici, l'ordre le plus ancien, le plus puissant, c'est l'ordre de Melchisédek. Jésus, écoutez-moi, quand on parle de Jésus à perpétuité, le Jésus en qui tu crois là, il est souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Il y a des gens qui m'ont posé la question, prophète, tu connais trop, hein? Tu connais beaucoup trop de choses pour ton âge, pour ton niveau d'études, pour ton niveau théologique, prophète. Tu es de quel ordre? Et je leur ai dit, je suis de l'ordre de Melchisédek. Je suis de l'ordre le plus ancien. Et le dire, c'est pas dire que tu es dans l'occultisme. Non, vous devez savoir que l'ivraie est toujours entré là où il y a le champ du Seigneur. Dire qu'il y a certains qui sont de l'ordre de Melchisédek, qui font des pratiques occultes, qui sont dans des choses bizarres, de la cabale, n'a rien à voir avec ce que je prêche. N'a rien à voir avec ce que nous prêchons. Rien à voir avec ça. Quelqu'un m'entend? On ne peut pas nier ce qui est de la Bible à cause des gens qui ont des vidéos sur Internet ou des textes sur Internet parlant de la cabale avec cela. Je ne suis pas de ces choses. La cabale et la sorcellerie, elle est la sorcellerie juive. La cabale et la sorcellerie juive. Je n'étais pas, je ne suis pas, je ne serai jamais de ces choses. Ici, je parle de la haute spiritualité où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et c'est la Bible. C'est la Bible. Frère, j'aimerais ce soir vous emmener dans les choses plus élevées que celles que vous avez toujours connues en Dieu ou en Christ. Dieu n'est pas chrétien, Jésus ne l'est pas, et la Bible est trop petite pour contenir tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu veut faire. Mais sinon, les bases, les fondations, les grandes lignes ont été écrites dans la Bible, mais elles sont la fondation sur laquelle nous construisons toutes choses pour monter. Quelqu'un peut écrire « Avance prophète » et puis je vais continuer. « Avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète. » Tape avec moi. « Avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète. » « Carabasso bradesse. » Tape avec moi. « Avance prophète, avance prophète. » Les rabasso pradiaseke. La rasa prade koso prade. Ijizo plate besi bradoko. La prade soprali jabla de koso. Oprari bare soprali amare sepre. E rapa soprada. Tape avec moi. Avance prophète, avance prophète, avance prophète. Oh gloire à Dieu. Ce soir, je vois Dieu emmener quelqu'un dans une nouvelle dimension de sa spiritualité. Rabasso brake barasaka.
Demain, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi l'ordre de Melchisedec. La brada sopra de Keseke. Le prado sopra de Kayabaseke. Oh, jabrade sopra di Yabasobra de Karabasopra. Ira mage sopra le Karabaso. Ere kebeso. Ira mando sopra li Yabasebraka. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Shabaya kasaka damaya. La pareso poro kopaya banakasa. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Come on. Holy Lord, we worship. La rabaso brade kabayaze. Là-bas, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Nous allons encore monter. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Nous allons encore monter. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Holy Shabradasa. And worthy. Alléluia. Worthy as you. Ooh. Ooh. Merci Saint-Esprit. Voilà. Alors, je vais commencer à expliquer quelque chose ici. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Prophète, quelle est la différence entre l'astrologie et l'astronomie? La différence entre l'astronomie et l'astrologie. La différence entre l'astronomie et l'astrologie. Premièrement, je vais donner des définitions très simples pour que tout le monde comprenne. Dans l'astronomie, nous étudions les astres. Dans l'astronomie, nous étudions les astres. Dans l'astrologie, passant par les astres, nous lisons les temps et nous prédisons l'avenir sur les humains. Nous lisons les temps et nous prédisons l'avenir sur les humains. Nous lisons les temps et nous prédisons l'avenir sur les humains. Nous lisons les temps, je préfère dire les airs, ok? Les airs, je ne dirais pas les temps parce que dans l'astronomie, on peut calculer les temps. Dieu a mis le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Donc, les temps sont aussi marqués par l'étude des astres. Mais quand je parle ici pour étudier les temps dans l'astrologie, je parle plutôt des airs, okay? Des airs, des époques, des dispensations. C'est ainsi que dans l'astrologie, on te parlera de l'ère du poisson, de l'ère du Verseau. Okay? Ces concepts sont des concepts qui sont ésotériques dans le domaine de l'astrologie et non de l'astronomie. Okay? Il n'est pas un péché d'étudier l'astronomie. Étudier les astres, c'est étudier la création. C'est comme étudier les végétaux, étudier les minéraux, étudier les animaux, faire de l'anthropologie, étudier l'être humain. Okay? Même la psychologie, le raisonnement, l'esprit de l'homme. La sociologie, l'homme de la société. Quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas un péché d'étudier une science qui s'est focalisée sur la compréhension de la création. C'est d'ailleurs une richesse. Moi, je lis beaucoup des revues d'astronomie, les astres ceci, les astres cela, les galaxies, les découvertes. Ce n'est pas un péché du tout parce que même dans Romains 1, on parle de la gloire de Dieu qui se révèle quand on considère uniquement la création. Quand tu vois la voûte céleste, quand tu vois les constellations, tu dis « Waouh, Dieu est Dieu ». Regardez les grandes choses que Dieu a eu à créer. Maintenant, l'astrologie touche le côté spirituel de l'astronomie, le côté prédictif de l'astronomie, le côté prédiction, le côté prémonitoire, le côté spirituel, prophétique même de l'astronomie. Le piège avec l'astronomie, c'est que l'astronomie est souvent la porte ouverte pour l'astrologie. Ok? C'est un peu comme les arts martiaux. Faire du sport, je dirais peut-être, par exemple, allons-y justement avec le sport. Faire le sport n'est pas un péché. Mais faire le sport, respiration, un peu de yoga, arts martiaux, à une certaine mesure, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un boulevard qui, quand vous ne savez pas avoir du retenu, vous ne savez pas avoir de la maîtrise,
Vous ne savez pas imposer vos limites, vous allez fin de fin aboutir à l'occultisme, vous allez fin de fin aboutir à la magie, vous allez fin de fin aboutir à des compréhensions orientales, quelqu'un me comprend. Donc il y a, faire du sport c'est pas un péché, le yoga par contre, le yoga, si on te définit le mot yoga c'est quoi, tu vas voir ce que ça veut dire. Le lieu où on fait le yoga, la musique qu'on entend, les tactiques que l'on fait, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment comme de l'antichambre qui mène automatiquement à la méditation transcendantale, au voyage astral et à beaucoup d'autres pratiques. Quelqu'un m'entend? Donc la différence entre l'astronomie et l'astrologie est que l'astronomie étudie, c'est une science, les astres, la création, et l'astrologie touche le côté spirituel, prémonitoire, prédictif de l'astronomie. Et l'astronomie est un, peut être un piège quand on ne pose pas des limites, on peut virer de l'autre côté et entrer dans autre chose. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tous ceux qui sont entrés dans l'astronomie ont été tentés d'aller dans l'astrologie parce que les deux sont souvent comme des jumelles. Et c'est très difficile pour plusieurs d'établir la ligne de démarcation et de ne pas virer de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà. Il y avait une deuxième question qu'on m'a posée. Est-ce que tout homme spirituel est un chrétien? Je dirais oui et non. Non, dans la mesure où l'homme spirituel, selon 1 Corinthiens 1, 2 et 3, on parle de l'homme animal, on parle de l'homme charnel et on parle de l'homme spirituel. Okay? L'homme animal, l'homme charnel et puis l'homme spirituel. Quand on parle de l'homme animal, on parle de celui qui est sans Christ. Quand on parle de l'homme charnel, on parle de celui qui est en Christ, mais qui est encore bébé. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit qu'il les parle non pas comme des hommes matures, spirituels, mais comme à des enfants qui ont encore besoin du lait, comme à des hommes charnels. Okay? L'homme animal, l'homme sans Christ. L'homme charnel, l'homme en Christ, mais encore vivant dans les œuvres de la chair. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui est arrivé à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc l'homme spirituel, c'est d'abord le chrétien qui a atteint la maturité, qui a atteint le fruit de l'esprit, l'amour, la spiritualité, qui a atteint la stature parfaite de Christ, qui a mûri, qui est devenu mature. C'est ce qu'on appelle l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel n'a pas toujours un lien avec le chrétien. Quelqu'un m'entend? Il y a des moines qui sont plus spirituels que des chrétiens. Il y a des prêtres catholiques qui sont plus spirituels que des pasteurs. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes, des intellectuels, des professeurs d'université qui sont plus spirituels que plusieurs diacres, anciens des églises et même évêques. En cela, qu'est-ce que j'aimerais dire? Je vous fais un petit croquis. Numéro 1. L'homme a été créé esprit, âme et corps dans le jardin d'Éden. Vous allez le voir dans 1 Thessaloniciens 5, 23. On dit que Dieu sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Parce que l'homme, au commencement de le jardin d'Éden, était esprit, âme et corps. Quelqu'un m'entend? Était esprit, âme et corps. Dieu avait créé l'esprit de l'homme, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa... Dieu avait créé l'homme et la femme, il les créa, l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Okay? Dieu avait créé l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme. Dans le chapitre 2, Dieu n'a pas bara, Dieu a yatsar. Il a maintenant formé l'homme et il a mis l'esprit à l'intérieur du corps qu'il avait créé et cela a créé l'âme. L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'homme est esprit, âme, corps. L'esprit vient de Dieu, Ecclésiaste dit. Et quand l'homme meurt, le corps rentre à la poussière où il a été tiré. Et l'esprit rentre à Dieu qu'il avait créé. L'âme existe à partir de la fusion du corps et de l'esprit quand Dieu a soufflé. Alors l'âme est proche du corps. L'âme est aussi proche de l'esprit. L'âme est immatérielle comme l'esprit, en contact avec l'esprit. Mais l'âme t'expose beaucoup aux choses du monde parce qu'il est attaché à ce qu'on appelle le corps. Esprit, âme et corps. Ok? Quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'homme est esprit, âme et corps. Est-ce que c'est clair? Numéro 2. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit que si vous en mangerez, vous allez mourir. Oui, l'homme est mort, Adam est mort, Ève est morte. Et tous ceux-là sont morts. Ils sont morts comment? Et pourtant, Adam a vécu un peu moins de 1000 ans. Donc, ce n'est pas son corps qui était mort, mais c'est son esprit qui était mort. Alors, l'homme est mort spirituellement. Et la mort spirituelle, ce n'est pas l'effacement de l'esprit, l'inexistence de l'esprit. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Quelqu'un me suit? C'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Donc, un païen a l'esprit. Tous ceux de l'Ancien Testament avaient des esprits. Mais seulement, ils étaient morts spirituellement parce que leur esprit n'était pas en connexion avec Dieu. Alors, quand Jésus est venu, il a instauré la nouvelle naissance. Ainsi, en Jésus-Christ, quand nous naissons de nouveau, c'est pas que tu rentres dans le ventre de ta mère, c'est pas physique, mais c'est ton esprit qui naît de nouveau. Ton esprit naît de nouveau. Ton esprit naît de nouveau. Je répète, ton esprit naît de nouveau. Quelqu'un me voit? Ton esprit naît de nouveau. Et l'homme redevient esprit, âme et corps. Mais j'aimerais préciser d'abord ceci. Lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu âme, corps et esprit. Lorsque l'homme a péché et qu'il était mort spirituellement, l'homme n'était plus esprit, âme et corps. L'homme est devenu âme, corps et esprit. L'homme n'était plus spirituel du tout. L'homme vivait avec l'âme, la volonté, les émotions, l'intelligence, et son corps ne faisait qu'exprimer ce que l'âme voulait. L'homme était devenu un homme animal parce que l'animal a une âme et un corps. Quelqu'un me comprend maintenant? L'homme animal veut dire un homme qui est comme un animal. L'animal a une âme, l'animal a un corps. C'est comme ça qu'on dit qu'un païen, il est mort. Son esprit est mort, mais son esprit est là, mais il ne considère plus le monde spirituel. Il est maintenant imbu de lui-même, et puis son corps exprime ce que son âme a. Quelqu'un me suit? Voilà. Alors, d'autres gens. Lorsque l'homme est devenu âme, corps et esprit, âme, corps et esprit, vous allez voir la civilisation des Sumériens, plus tard des Babyloniens, plus loin encore des Égyptiens, même jusqu'à nos jours, l'homme a voulu rentrer à Éden, c'est-à-dire devenir esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, et dans plusieurs autres spiritualités, l'homme a fait quoi? Par exemple, dans le bouddhisme, quand on parle par exemple de yoga, méditation transcendantale, respiration, tout ça, vous allez voir, les bouddhistes sont les plus pieux. Ils maîtrisent les appétits de l'âme, ils maîtrisent les appétits du corps par des tactiques de relaxation, des arts martiaux, des disciplines. Même en allant plus loin, en devenant comment on appelle? Ceux qui ne mangent pas la chair là. Ouf, donnez-moi le terme, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses dans mon esprit là, donnez-moi le terme. Des végétariens, voilà, des végétariens, c'est revenu. Et dans tout ce qu'ils ont fait là, ils ont maintenant pris l'esprit. Ils ont ramené l'esprit ici. Ramené l'esprit ici. Et ils sont redevenus esprit, âme et corps. Par exemple, un moine bouddhiste, il est redevenu esprit, âme et corps. Est-ce que tu le sais? Un moine bouddhiste ou un grand prêtre bouddhiste, qu'est-ce qu'il devient? Il redevient esprit, âme et corps. Quelqu'un me suit? Ils ont maîtrisé l'âme. Ils restent en position lotus. Ils développent leur esprit. Ils redéveloppent l'esprit. Ils développent le côté spirituel de l'âme. Parce que l'âme est immatérielle. Ils développent ça. Ils maîtrisent le corps. Ils ne fument pas. Ils ne mangent pas de la viande. Suivent pas la pornographie. Ne se masturbent pas.
ne pêche pas, ne va pas en boîte. Ils sont très pieux, ils ne pêchent pas, ils ne tuent même pas, même pas un concret là. Ils ne tuent même pas parce qu'il faut être en paix avec l'univers. Et ces hommes-là, par exemple, les moines bouddhistes, ils sont redevenus esprit, âme et corps. Quelqu'un me suit? Ils sont redevenus esprit, âme et corps. C'est ainsi que je vous dis que beaucoup de prêtres, des religieux, beaucoup de moines, beaucoup de personnes qui sont dans les spiritualités aujourd'hui sont redevenus esprit, âme et corps. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est ainsi que je dis, par exemple, d'autres chrétiens, ils n'ont pas développé l'esprit, ils ne vivent que selon la chair. C'est des hommes charnels, des chrétiens charnels. Ils connaissent la Bible, mais l'esprit n'a pas pris l'ascendance. L'esprit n'est pas en avant-plan. L'esprit n'est pas numéro un. Donc, ils ne sont pas esprit, âme et corps, proprement dit. Ils n'ont pas la conscience du monde spirituel. Ils n'ont pas la conscience de l'état de leur esprit, de la fonctionnalité de leur esprit. Et pourtant, un bouddhiste connaît l'esprit, l'âme et le corps. Alors, le problème avec ces hommes, c'est qu'ils sont plus spirituels que la plupart des chrétiens. Ils sont plus spirituels que la plupart de nos pasteurs. Mais seulement, Dieu a horreur de la nature adamique. Quelqu'un me suit? Aucune spiritualité n'est agréée par Dieu lorsqu'il voit en face de lui Adam. Retenez bien ce que je dis. Ok? Aucune spiritualité n'est agréée par Dieu lorsqu'il voit Adam. Vouloir devenir spirituel sans passer par la nouvelle naissance, c'est continuer à être un homme mort, c'est-à-dire continuer à être mort spirituellement, mais en développant ta dimension spirituelle avec l'ancienne nature qu'on appelle la nature adamique. Voilà, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le problème des bouddhistes, ils sont plus spirituels que la plupart de beaucoup de nos pasteurs ici, là, qui sont seulement bibliques, charnels, qui boivent, qui fument, qui font, qui couchent n'importe où, qui ne croient pas au monde spirituel, ils ne croient pas à la prophétie, ils ne croient pas à la délivrance. Ils sont moins spirituels que ces hommes-là. Ok? Que ces hommes-là. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de dire ils sont plus spirituels que nous, donc ils ont la garantie de l'éternité. Ils peuvent être spirituels, mais ils sont morts spirituellement parce que leur esprit n'est pas en contact avec le Créateur. Aucune spiritualité ne peut être agréée par Dieu lorsque Dieu voit en face de lui Adam. Dieu a horreur de la nature adamique. Et même si tu es un homme spirituel, même si tu es une femme qui est de la spiritualité, tu es un homme qui est de la spiritualité, tu vois des choses que des chrétiens ne voient pas, tu peux même les manipuler, même tuer des hommes parce que tu connais le monde spirituel, tu as appris à développer ton esprit. Laisse-moi te dire, tu peux être esprit, âme et corps. Tu peux être plus spirituel même que beaucoup des pasteurs, que beaucoup des chrétiens, mais seulement ta spiritualité ne garantit en rien ton éternité. L'éternité de la spiritualité est garantie lorsque on accepte Jésus-Christ, le don de Dieu, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Car il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je tiens à préciser cela. Peu importe ta spiritualité, tu n'as pas la garantie de l'éternité. Parce que tu peux avoir un esprit redéveloppé comme Adam, une âme qui fait des voyages de l'âme, des voyages astral, un corps que tu tiens en bride et que tu maîtrises, mais tout ça ne veut rien dire pour l'éternité. Tu peux être puissant sur la terre, être chef d'entreprise, connaître des livres, faire des pratiques, appeler la pluie, elle tombera, envoûter des jeunes filles, parler aux anges, faire apparaître de l'argent, tu peux tout faire. Mais crois-moi, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner tout dans ce monde par les spiritualités, mais tu n'auras pas la garantie, parce que la seule garantie que ta spiritualité passera dans l'éternité, c'est en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, il est possible d'être un homme spirituel sans Christ. Il est possible d'être en Christ
et de ne pas être un homme spirituel. Quelqu'un m'a compris? Il est donc possible d'être un homme spirituel et d'être sans Christ. Et il est aussi possible d'être en Christ sans être un homme spirituel. Ceux qui sont spirituels sans Christ sont rentrés au jardin d'Éden, mais sans passer par la croix. Ils ont la nature adamique, mais ils ont développé la spiritualité. Ils ne pêchent pas forcément. Ils vivent dans la moralité, comme les Chinois. La Chine, je vous l'avais dit hier, la Chine n'a pas été basée sur la spiritualité, mais sur la morale. Le confessionnisme, le taoïsme est basé sur la morale. On ne fera pas, on ne fera pas, on ne fera pas, on ne fera pas. Et c'est même ça qui a construit le Singapour lorsque Lee Kuan Yew a eu à être inspiré par le confessionnisme. Quelqu'un me suit? Donc, la moralité ne garantit pas l'éternité. La spiritualité ne garantit pas l'éternité. Voilà pourquoi, frère, tu peux connaître toutes les spiritualités possibles, mais tu n'as pas la garantie de l'éternité tant que tu ne passes pas par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je parle à tous mes amis qui sont ici. Je sais qu'il y a plusieurs de mes amis qui sont ici. Ils sont dans les spiritualités noires, spiritualités égyptiennes, spiritualité de ceci ou de cela. Je vous acclame. Vous connaissez les choses de la Bible. Vous connaissez les choses de la Kabbale. Vous connaissez les choses même de plusieurs autres mondes. Je vous acclame pour cela. C'est ce que vous dites extraordinaire. Vous traitez des pasteurs d'ignorants. Je les traite d'ignorants aussi autant que vous. Vous êtes franc-maçon, vous êtes là, vous traitez les pasteurs d'ignorants. Je les traite aussi ignorants comme vous, croyez-moi. Pour ça, je vous acclame. Vous connaissez beaucoup. Mais ces pasteurs qui ne connaissent pas beaucoup, s'ils ont reçu Jésus dans leur vie, ils iront au ciel. Ils ont la garantie de l'éternité. Alors que vous, avec vos livres et votre spiritualité, vous n'avez pas l'éternité. Car la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La spiritualité ne vaut rien tant qu'on n'est pas connecté à l'éternité par la chrétienté. Tant qu'on n'est pas connecté en Jésus-Christ. Vous êtes là en train de me suivre, vous dites, « Oh prophète, immortalité, immortalité n'a rien à voir avec des pratiques que vous faites. » L'immortalité a tout à voir avec la connexion que nous avons avec la personne de Jésus-Christ. Vous avez la spiritualité? Je vous acclame. Vous connaissez beaucoup? Je vous acclame. Vous avez lu des livres de tel domaine? Vous êtes bourré de connaissances? Je vous acclame. Vous êtes rentré à Éden? Je vous acclame. Mais seulement, rentrer à Éden aujourd'hui, c'est présenter à Dieu une nature qui n'agrée pas. Parce que la nature adamique ne peut entrer dans le royaume des cieux. Que faut-il pour être sauvé? Il faut donc naître de nouveau. Ce n'est pas la naissance en Adam, parce que nous sommes tous nés en Adam, nous sortons d'Adam lorsque une poule met bas dans un fossé, ben, tous les poussins qui naissent, naissent aussi dans le fossé. Adam a péché, on a tous péché en Adam. Quelqu'un m'entend? Mais la nouvelle naissance n'est pas une naissance adamique de la chair et du sang. Jean chapitre 1, verset 12. Mais de Dieu, c'est de l'esprit. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, vous avez la garantie de l'éternité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire à beaucoup de chrétiens ici, ne soyez pas intimidés par des termes de spiritualité. Ne soyez pas intimidés par des amis à vous qui viennent de l'Europe, qui ont été à Dubaï, qui lisent des livres, qui téléchargent des PDF sur Internet et qui prétendent plus connaître que vous. Ne soyez intimidés par personne. Connaître, ce n'est pas connaître ce qu'il y a dans les livres. Connaître, ce n'est pas connaître ce qu'il y a dans les recueils. Connaître, ce n'est pas fréquenter un abbé ou un prêtre ou un maître, un gourou ou un maître en spiritualité. La connaissance, c'est de connaître toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ce soir, je voulais clôturer ici parce que j'ai encore posé une autre base. Demain maintenant, je parlerai de la démarcation qui est entre chrétienté et spiritualité. Mais déjà, je sais que ce soir, si quelqu'un m'a bien suivi, il a tout compris de ce que j'ai voulu dire. Spiritualité, vous lisez. Spiritualité, vous connaissez. Spiritualité, vous pratiquez. Spiritualité, vous vous inventez.
Mais sans Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'éternité n'est pas garantie pour vous. L'immortalité n'est pas garantie dans l'éternité. La connaissance, c'est connaître Dieu et de connaître surtout Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce soir, vous m'avez suivi, vous dites, prophète, c'est fort ce que vous avez dit. Je connais beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres, je suis même embrouillé. Mais j'aimerais recevoir Jésus dans mon cœur aujourd'hui et devenir une nouvelle créature. Faites cette prière avec moi. Dites, Père, au nom de Jésus-Christ, je viens ce soir devant toi car je suis un pécheur. Je connais beaucoup. Je continue à apprendre. Mais je réalise aujourd'hui que je vis dans le péché et qu'aucune œuvre de la chair n'entrera dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, devant les hommes, devant les anges, devant ma conscience, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pardonne mes péchés, efface mes iniquités, inscris mon nom dans le livre de vie et aujourd'hui fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et croyez-moi, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle là où vous êtes. Écrivez-moi au numéro WhatsApp qui assure ce live et on pourra voir comment être en contact avec vous pour vous encadrer dans vos premiers pas dans le Seigneur. Alors ce soir, je voulais clôturer ici une autre base que j'ai posée. Écoutez et réécoutez bien ce direct. Vous allez comprendre que plusieurs sont spirituels, bibliques et non spirituels, chrétiens et non spirituels. Plusieurs s'y sont plus spirituels que les chrétiens, plus spirituels que des pasteurs, plus spirituels que des diacres. Mais seulement, ils peuvent être plus spirituels, mais non pas forcément ce qui est éternel. Parce que l'éternité est garantie dans la foi en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Soyez bénis ce soir, on se retrouvera demain à 22h, heure de Kinshasa, 23h de Paris. On va encore entrer en profondeur de ce sujet, mais sinon, s'il vous plaît, Dieu vous met à cœur de s'aimer quelque chose dans ce ministère. Les liens PayPal sont là, tous les détails sont là. Que Dieu vous multiplie, vous bénisse, parce que ces choses que je dis, sincèrement, c'est des choses qu'on dit à des pasteurs dans les grandes réunions, parce que c'est difficile à expliquer, mais on vous les donne gratuitement. S'aimer, honorer, connectez-vous à la grâce et donnez-nous les moyens de revenir encore chaque fois devant vous pour vous prêcher la bonne parole. Soyez bénis de partout où vous êtes. Merci d'avoir suivi ce live ce soir. On se retrouvera demain à 22h, heure de Kinshasa, 23h, heure de Paris et 21h, heure d'Abibi, Abidjan, Abibou. Soyez bénis, je vous aime. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ est le chemin, la vie, la vérité. Soyez bénis.